Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Aujourd'hui, petite vidéo pour la critique de Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Alors déjà, pour commencer, j'étais allé le voir du coup hier, après-midi, le 8 mai. Voilà, cette fameuse victoire emportée en 45, hein. Ce qui est génial. Donc j'ai passé une bonne journée hier. Je vous fais cette petite vidéo du matin. Dans ce cas, je vais vous parler du coup de ma petite critique et de mon opinion de ce nouveau film, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Alors, on voit déjà avant de dire mon opinion sur le film, franchement bon déjà, il est quand même sympa, il est assez bon. On va parler de différents personnages qu'on retrouve dans le film. Alors, pour commencer déjà, ce fameux Noah. Hein, ce singe, forcément, fils de César, de la trilogie, voilà, bon, ce petit Noah qui lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à César, de cette trilogie. Donc, voilà, qui est l'ultime singe global de l'histoire, hein, du film. Donc, Noah, franchement, il joue extrêmement bien. Visuellement, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien faits. Tous les singes, gorilles, vraiment, c'est très bien fait. Donc franchement, c'est en termes d'effets spéciaux, c'est exactement les mêmes. Ceux qui ont fait les effets spéciaux de la planète des singes, qui ont fait le même pour Avatar. Donc c'est pour vous donner une idée quand même du visuel. Donc franchement, excellent. Le visuel du film, etc. Vraiment excellent. Donc Noah forcément avec son aigle au bras, bon voilà, hein, donc il a son petit clan chez lui, avec toute sa troupe, etc. Donc je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. Donc voilà, bon les aigles, bon, pas très bien fait. Niveau effets spéciaux, on voit vraiment qu'ils sont faux. J'aurais préféré un peu plus de réalité et réalisme sur les aigles, les oiseaux. Mais sinon, ce qui concerne Noah, vraiment il est excellent, très intelligent. Comme ce fameux César, vraiment rien à dire. Il joue extrêmement bien, parle pas énormément non plus, mais ça va. Non, franchement, Noah, j'ai trouvé vraiment excellent. Mais visuellement, il est bien fait. Les traits du visage, l'expression faciale, tout. Vraiment, visuellement, c'est magnifique. Donc, rien à dire. Donc, voilà pour ce fameux Noah, vraiment qui est le petit gentil. Le petit singe que tout le monde devrait normalement aimer dans le film. Donc, qui est franchement, voilà, le singe principal du film. Avec son petit compagnon Sona, du coup, qui est avec elle, disons, depuis le début, ensemble. Et puis un autre, je sais plus vraiment comment il s'appelle. Bon, au début du film, ils sont trois. Donc vraiment le début du film, ça va, ça claque déjà bien visuellement. Surtout qu'il y a une toute petite scène de la trilogie, forcément, après que César meure dans la trilogie, à la fin du 3, Suprématie, hein, dont le film, forcément, se situe bien longtemps après Suprématie. Donc voilà, l'histoire se déroule vraiment quelques années après. Le dernier film, Suprématie, la planète des singes. Donc on voit bien César mourir forcément dans la trilogie, la planète des singes. Et il y a un tout petit extrait vraiment au tout début du film, très sympathique, que j'ai beaucoup aimé. Je vous spoil pas, vous regarderez quand vous verrez le film. En tout cas, j'ai bien aimé ce petit début, vraiment, du film. Donc pour ce qui est vraiment au début du film, avec Noah et puis ses deux amis, vraiment top. Ça donne vraiment un petit boost déjà au film, l'ambiance, etc. C'est vraiment la jungle, pas beaucoup de rues, que de la forêt, partout. Donc vraiment, c'est bien fait. Ensuite, quel personnage, ce fameux Maximus César, qui lui, normalement, est l'antagoniste, forcément, grand méchant du film. Hein, vu comment il est vêtu, on voit que c'est un peu lui le patron. Mais je l'ai trouvé pas tellement présent dans le film. Bon, c'est un petit spoil, mais voilà. Je l'ai pas trouvé très présent énormément dans le film. Suffisamment quand même, mais pas trop. Ce qui est un peu dommage.
Mais pour moi, c'est pas vraiment le plus grand méchant du film, hein. Il fait son taf, il joue bien. Mais pour moi, c'est pas le grand méchant. Mais en tout cas, pour ce qui est de Proximus, franchement, il est sympa. Il est sympa à voir, agréable. Voilà. C'est pas plus mal. Voilà, il est comme il est. Mais pour moi, le plus grand méchant, c'est vraiment ce gorille-là. Vraiment, celui-là. Ce monstre qui est là, franchement, lui, il est incroyable, imposant, très très fort, musclé, franchement, rien ne l'arrête. Un truc devant lui, il le défonce, c'est incroyable. J'ai jamais vu une ténacité, vraiment une férocité d'un gorille, quoi, d'un grand singe comme ça. C'est fou. Vraiment, pour moi, c'est lui, le grand méchant pour moi du film. Mais justement, c'est le bras droit de Proximus César. Du coup, c'est un peu lui qui est sous ses ordres et qui fait, voilà quoi. Comme voilà, c'est un peu comme Maurice, si on veut, dans la trilogie La Planète des Singes. C'est un peu comme Maurice et César, si on veut, voilà, c'est à peu près pareil. Voilà, donc ce singe, franchement, il est imposant, il est vraiment, vraiment impressionnant. Les combats sont bien faits. Non, franchement, il est. C'est dingue. J'ai eu peur. Hein. Il est effrayant. Vraiment top. Pour moi, c'est lui qui devrait vraiment être le plus grand méchant de ce film. Mais ça ne l'est pas. Hein. C'est Proximus César, forcément. Mais voilà. Après, c'est logique qu'il fasse pas forcément un grand méchant tout de suite. C'est le premier film. Ce serait trop facile s'il y avait un grand, grand, grand méchant. Tout de suite, je pense que ça va venir petit à petit. Le grand méchant va apparaître peut-être un peu plus tard, prochain film ou dans le dernier film, s'ils en font une trilogie. Donc franchement, probablement, il y aura une suite. Déjà vu la fin, comment ça s'est fait, il y aura probablement une suite. Donc en tout cas, pour ce qui est de ce méchant, top. Un gorille monstrueux. Vraiment top. Rien à redire. Maintenant, nous allons parler de mais. Donc cette jeune actrice qui est interprétée par Farhad Alan, je ne sais plus exactement son nom. Franchement, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus fou, mais c'est tout de même bien d'avoir une jeune humaine comme ça. Après, ce qui est un peu bizarre, parce que globalement dans le film, un petit spoil, bon. Elle parle alors que son groupe à elle, hein, son clan humain qui traîne à côté d'elle, du coup, normalement ne suppose pas parler, normalement ils sont muets, comme la petite fille qu'on voit dans La Planète des Singes, Suprématie. Voilà, quand Maurice et César, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, il la trouve une petite fille dans une petite maisonnette, une petite cabane, qui ne parle pas, qui est muet, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, en général, ils doivent. Voilà, tous les humains qui se trouvent normalement dans le film, voilà, c'est pas supposé parler. Sauf qu'il n'y a que elle qui parle, donc je sais pas s'il a eu une éducation différente ou pas. Mais en tout cas, voilà, elle parle dans le film, ce qui a impressionné forcément les singes, Noah et puis d'autres. En tout cas, voilà. Pour ce qui est d'elle, franchement, voilà, bon, je l'ai pas tellement. Bah, je l'ai aimé, mais pas trop trop, parce qu'il y a quelques retournements de situation dans le film de sa part. Mais sinon, elle joue bien sa place tout de même. Voilà, c'est ce qui est. Après, ça fait du bien d'avoir toujours une humaine, une jeune fille à côté des singes. Hein. Comme dans Suprématie, si la gamine, la petite, elle n'était pas là, ça serait peut-être un peu différent quand même, hein, dans Suprématie. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir une jeune fille. Bon, là, elle est beaucoup plus âgée que dans Suprématie, mais ça fait toujours plaisir de voir une humaine aux côtés des singes qui les protège, qui les guide un petit peu. Mais voilà. Après, Noah se méfie d'elle forcément un petit peu, mais il est très intelligent, donc voilà. En tout cas, c'est sympa de retrouver cette jeune fille dans le film. Voilà. C'est sympathique, mais sans plus. Voilà. En tout cas, voilà pour les différents personnages. Je ne vais pas tout non plus vous spoiler, tout vous raconter. En tout cas, c'est les personnages principaux que je vous ai annoncés. Là, ces quatre-là en général.
En tout cas, le film en lui-même, il est vraiment magnifique. Visuellement, il est top. Il est beau, même au niveau sonore, hein. Niveau sonore, ça claquait bien, hein, les musiques, le son, les bruits des bombes, tambours, enfin, tout ce que vous voulez. Franchement, top. Niveau sonore, il y a des bases, du suspense, des scènes d'action, vraiment top. Voilà. Et on voit vraiment que les singes ont beaucoup évolué, forcément, ces derniers temps, hein, contrairement au début. Mais franchement, vu la fin, il y aura forcément peut-être une suite. Vu la fin, je vais pas vous raconter la fin, mais j'ai beaucoup aimé la fin. La fin du film est vraiment extra. Pour ce qui est le petit combat final, voilà, avec Noah et tel singe. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la fin. Et vraiment la toute fin, juste avant que le film s'arrête, franchement, top. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une suite. En tout cas, ça s'annonce vraiment excellent. Donc si je devrais donner une note sur 10, le film, allez, je mettrais quand même un 8. Je mettrais un 8, je ne vais pas mettre plus haut les deux petits points. Bon, quelques points négatifs sur bon, l'oiseau, bon voilà, après ça c'est des effets spéciaux. Quelquefois je l'ai trouvé peut-être un petit peu lent de temps en temps. Peut-être que j'aurais préféré un tout petit peu plus d'action, un tout petit peu plus. Ce serait vraiment bien. Car bon, je veux pas dire je me suis endormi devant le film, hein, mais voilà. C'est après c'est la planète des singes, hein. Il va pas y avoir tout le temps de l'action, ça va parler, parler. Voilà. Mais pour ce qui concerne des singes bah, qui parlent, hein, les voix sont vraiment géniales. Ça va. Pour ce qui est de la voix de sa chaque singe, vraiment ça leur correspond vraiment bien. Sauf oh, je sais plus qui. Bon. Je sais plus qui exactement. Celui qu'il a, ce que Noah a rencontré, hein, évidemment, sur le chemin. Qui avait la voix de Samuel Jackson, pour moi. J'ai trouvé très marrant. Mais vous allez sûrement savoir qui c'est. Mais en tout cas, lui, voilà. Il était sympa aussi, mais sans plus. En tout cas, voilà pour cette petite critique. En tout cas, ça reste vraiment un bon film. Vous allez passer un très bon moment dans le film. Hein, 2h20, bon, c'était quand même assez long, 2h20. Mais bon, c'est vrai que s'il l'aurait fait à 2h, ça aurait été vraiment top. 2h, ça aurait été top. Rien à dire. Mais bon, 2h, 2h20, bon. Voilà. Il y a quelques petites scènes où ils auraient pu raccourcir, faire passer un peu moins de temps, ça dépend lesquels, mais voilà. En tout cas, ce début du film, cette fin, ce milieu, ça annonce quand même très très bien à regarder. Je l'achèterai, probablement, si un joli Steelbooks, hein, un joli boîtier avec forcément une masterisation en 4K, peut-être avec du HDR ou du Dolby Vision dedans, ce serait bien, et puis pour ce qui est du son, peut-être un Dolby Atmos ou un DTS HD, ce serait bien. Vraiment, pour ce qui est de la sonorité visuelle du film, quand il sortira en Blu-ray. Donc, si ça s'annonce bien, je l'achèterai. Oui. Sinon, on verra bien. En tout cas, voilà pour mon petit opinion du film. Hein, en tout cas, voilà le bras droit, Proximus. Mais bon, il joue tout de même bien, c'est sympa à regarder. Mais Noah, vraiment, excellent. Vraiment, ce Noah, vraiment excellent. Top. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt.